Bah écoute, très bien. Je lance, je suppose qu'il y aura une cinématique. Est-ce que juste tu peux couper le micro de ta manette, s'il te plaît? C'est fait. Merci. Nouvelle partie. Télécharger sauvegarde, j'en ai pas. Ah, on peut mettre en fastoche ou en normal. On va mettre en normal. Coopération ou compétition? Coopération. Donc, vous aimez les T'as une histoires, cinématique là? hein? Un Ouais. récit d'aventure au bon milieu des étoiles. Fort. Approchez, écoutez donc le vieux Marcus. J'ai De mon justement côté, le tu veux temps. dire, tu entends? Non, non, moi. D'accord. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas faux. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Pourquoi il s'énerve quand il parle? C'est à mon tour. Leurs aventures! Quand j'étais enfant. La gloire, la fortune, la puissance. Ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'Arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses du destin. Mon histoire du jour s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'Arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu. Je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'Arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith. Et c'est une véritable folie. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui la mènera à toutes les arches de la galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace, pire que ce que la galaxie a pu connaître jusqu'alors. Mon histoire commence ici, sur Pandore, avec nos nouveaux chasseurs de l'Arche. La sirène qui les guide, puis bien entendu... Moi. Moi.
Magique. Ah, quelle merveilleuse journée, remplie d'opportunités. Alors, y aura qui ? Wow. Ok, donc là on choisit chacun un des 4 personnages ? Tout à fait. Et là tu... Ah merde, d'accord, je me disais pourquoi ça... ça reprend les textes à chaque fois. Fait appel à son mecha, déploie des gadgets pour prendre le contrôle du champ de bataille, se nourrit des cauchemars des ennemis grâce à ses créatures, libère ses pouvoirs élémentaux de sirène pour immobiliser et écraser les ennemis au combat. Moi je vais partir sur Amara. Et bah... Moi j'hésite entre... Zayn et... Samy. Moi je crois que je vais partir sur le gros. Ok. Bah vas-y. C'est quoi son nom en fait? Comment on prononce le 4? Force. Flint Force. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards incarnats. Donc les deux autres ils vont rien faire. Ah, bonjour. Je suis Lilith, commandant des pillards écarlates. Lilith. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Elle a pas les yeux droits, en tout cas, elle regarde. Bonne chance. Puis c'est bizarre, elle parle, mais elle bouge pas les lèvres. Ce serait pas une autre sirène? C'est ici que tu descends, toi. C'est pas trop tôt, j'ai une grosse envie de tataner. Essaie de rester en vie. Ça m'ennuierait de perdre un nouveau client. Welcome. Et bienvenue sur Pandore. On ne peut pas bouger encore. Alors c'est toi, ah, je suis un. C'est donc lui, Claptrap. Mais tu peux m'appeler Général Claptrap des Pillards Écarlates. C'est quoi ton petit nom? Comment ça, tu sais pas qui je suis? Ah, tu peux juste baisser un tout petit peu, du coup, le son chez toi. Le crime. Guerrière de la paix. Bon, je suis Amara. Merci. Je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les Margoulins qui ont voulu te tuer, ce sont les descendants de l'Arche. Une secte de bandits qui seraient prêts à se jeter d'une falaise pour leur leader cinglé. Ce qui me fait penser, si on veut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil, il va te falloir un système écho. Merci pour le système écho. L'écho 3, légèrement plus puissant que l'écho 2 et deux fois plus cher. Sans compter que l'écho 2 avait un petit problème de combustion spontanée. Il le vend toujours, mais sous l'appellation générique de grenade. Alors écoute-moi bien la blessure. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour badiner rigoler. Suis-moi pour la gloire. Il a l'air d'être complètement taré, notre ami, là. Ouais. Alors déjà, il y a une apesanteur bizarre, non? On est un peu léger, ouais, effectivement. Bah après, de toute façon, de ce que j'ai compris, c'est qu'on était sur une planète où il y avait des... Enfin, je sais pas s'il y a des... C'est quoi? C'est des milices et des espèces d'ennemis un peu extraterrestres? Des bestioles, non? Ouais. Ok, on court comme ça. Oh. Oh, j'ai récupéré des trucs, mais je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser. Corps, tête, skin, couleur, emote. On s'en fout. Un contrat d'utilisateur? Quel ennui. Comment ça? Le centre de propagande est par là. Ah. Qu'est-ce que t'es... Ah, j'ai cru que t'étais là. T'es où? Je te vois plus. Ouais, devant un port. J'étais devant le portail, là. Quel portail? Ah oui, là. Juste ici, devant le passage de l'Alliance. C'est quoi, ça? Et bah donc, c'est un endroit où on peut voir un fast travel, quoi. Ah. Vous pouvez utiliser la carte pour obtenir des informations sur la zone où vous vous trouvez et sur les points d'intérêt proches de vous. Avec la carte, oui, merci. C'est pas ça, il faut pas faire quelque chose avec ça, là. Pour soulever. Tirer sur le levier.
Ah, il est sur là, le levier. Inventaire. Je vois un truc. Ça doit être où là-dedans? Ok. Ah, y'a pas les. Pas les sous-titres. Du coup, dans ce que t'as récupéré, y'avait des armes ou c'était que des. Non, bah là, j'ai récupéré encore des trucs là, mais je sais pas ce que c'était par terre. Regardez ici là. Dans les carcasses. T'as rien pu récupérer là? Non, y'a rien. Ah, du coup, c'est peut-être pas partagé alors. Ah oui, non, c'est pas partagé, je me souviens que. On se volait des trucs. Ah bah bravo. Je suis petit mec. Attends, bah j'arrive. Children of the vault. Give your flesh, take your guns. Bonjour, Nounet. Silence maintenant, ou tu vas prendre une claquade. Wow. Il va être insupportable, lui, non? Ouais, ouais. D'accord. C'était juste, c'était juste pour savoir. Suivre Claptrap, bah oui, mais il court partout, le con. Tu vois, regarde, c'est ça, là. Tu vas voir, essayer de le faire. Ah, là, il y a effectivement quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Ah, il est là, le con. Bonjour. Quand la mission sera finie, on peut pas le taper. Il sera obligé de me nommer super général. Maintenant, il est friendly. Recule. Oui. Bah, bravo. Donc finalement, ce sera pas furtif. C'est rien. Sur Pandore, c'est quand il y a pas. Sinon, reposer, mais pas assez, Nounet. Prends ton arme, recrue. Tu vas en avoir besoin. Mon arme. Un armes, pistolet. Ne sont pas liés à leur bien pété. Je peux danser et chanter. Non, 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 tu la fermes surtout. Aussi un mode de tir. Ferme. Play du bas, tu switches de pistolet normal à zip rocket. Je sais pas exactement c'est quel type de balle, mais je suppose que c'est un peu explosif. Zip rocket. Joins Children of the Vault. Devenir leur roi, et ensuite tu les massacreras par surprise sans pitié. Admire le style, recrue. Eh oh! Y'a quelqu'un? Je suis Shiv, saint influenceur des descendants de l'Arche. Qu'est-ce que tu veux, tas de ferraille? Bonjour, cinglé à soi. Bonjour! Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards et crapauds. Ah, c'est bien fait. Vous ah, êtes complètement si vous nous ouvrez la porte, je ferai éventuellement preuve de clémence. Ouais. Top! Laisse-moi réfléchir une seconde. Ils se font peut-être appeler les descendants de l'Arche, mais ça reste des bandits, et les bandits sont terriblement stupides. Merde, j'ai tiré. Ok, on va bien se rendre. Pitié, nous tue pas, tas de ferraille. C'est bien ce que je pensais. C'est ça. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi. Ah mais là, il y a des trucs là. Machine à laver. Ah j'ai gagné de l'argent. Oh j'ai 10 balles. Putain je vais fouiller, je vais aller récupérer de l'argent. Laisse-moi l'argent toi. Touche pas à ça. Et encore 5 balles, ça me fait déjà 20 pièces. Ah putain mais du coup on a pareil. Bah non. Oh regarde. Oh là là. On est riche. Putain, j'ai plein d'argent. J'ai fouillé les cuvettes de chiottes qui traînaient et j'ai gagné de l'argent. Il est parti où le vilain? Par la porte qu'ils ont ouvert, mais. Il y a encore des trucs à fouiller à droite en fait. Wow, plein de thunes, encore 10 thunes. Ah la vache, fort. Et là, il y a encore un petit coffre aussi. 18 thunes. Ah ouais, t'as récupéré masse tout à l'heure. Putain, il est vilain. Oh la vache.
Attendez-moi. Ok, ouais, y'a pas besoin. C'est le genre de jeu où faut pas que je vise. Faut tirer au jugé. Y'a plein de connards, hein, si jamais. T'as essayé le zip rocket ou pas? Waouh, bah, c'est pas mal. Comment on voit où c'est les ennemis? Ah. C'est d'où que ça arrive, ça? Dans mon dos. Oh, pas Dieu. Ah d'accord, ils arrivent en... en zipline. Ouais, tu te débrouilles, moi je fouille pendant ce temps. Ouais, bah oui, tiens. Et si t'as besoin d'aide, tu m'appelles. Bah, ils me balancent des couteaux. Bah, esquive-les. Hey. Non, non. Il traverse les décors. Dégage. Oh, je l'ai buté avec un coup de main. Voilà, je leur ai tous cassé la gueule. Putain, on est riche là, 248 balles. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs bien là-dedans. Oh, je sais que Claptrap peut être un peu Claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. Ah, putain, il y a des armes. Mettre de l'argent dans les congélateurs. Ah, j'ai récupéré deux armes. Free brain one. Bring friend. Come in. Oh la vache. Santé pleine, je sais pas si il te manque un peu de vie, mais là il y a... Non, ça va. Enfin, un peu, oui, mais. Tu vois le point que j'ai mis ou pas? Ouais, je crois que je vois un truc derrière moi. Je me bats. Fais-moi voir tes yeux. Waouh, y'a des. Il est où le con? Il est là. Oh. J'ai laissé l'autre arme là, je crois que ça. Comment on change d'arme? Oh, je suis niveau 2! Oh, je suis trop fort. Ta-da. Ta 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 ta. Eh bien cette arme là, j'aime bien. Mais c'est pas dans ce jeu où t'as plein d'armes vraiment entre guillemets aléatoires? Si si si. C'est ça hein. Merde. Comment on change d'arme? Triangle. Je peux déplanquer une compétence d'action. Ok. Alors attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Compétence. Bon, pas celui tacticiel, je m'en fous. Comment j'achète? Ah d'accord, c'est là. Amaras s'élance et pilonne le sol en utilisant et dégage aux ennemis aux alentours en projetant en l'air. Fait apparaître un poids géant qui sort du sol et verrouille l'ennemi ciblé sur place pendant quelques secondes. Projection astrale, tout droit devant elle, utilisant... infligeant des dégâts à tout ce qui se trouve sur son passage. Je vais prendre ça. Voilà. J'ai utilisé mon pouvoir, mon incroyable pouvoir. Tu trouveras peut-être un bouclier dans ce coffre très rouge là-bas. Tu bouclier dans ce coffre très rouge là-bas. C'est quoi qui bouge? C'est ça là? Comment il a fait pour grimper l'autre fou? Faut aller de ce côté-ci si j'ai bien compris. C'est ça le coffre tout rouge hein? Je comprends pas ce qu'il veut qu'on fasse avec ça. Prendre un bouclier.
ça qui parle. Prendre un bouclier. Bah, je veux bien, mais comment faire? Je comprends pas ce qu'il veut. Parce que... Ah, mais comment t'as fait pour grimper? Bah, avec quoi? Ah oui, d'accord. Et maintenant au boulot, recrute. Hé, Chive, tous tes crétins de copains sont morts. Je te défie dans un duel judiciaire. Et quand je suis collé à cet aimant, c'est mon fidèle sbire qui te vaincra pour moi. À quoi, hérétique? Oh la vache! Encore mon quota de sacrifice pour la journée. Zone découverte. Ah. Ah ouais, l'autre il a un tout petit bras, il joue au tennis peut-être. Putain. Tu m'aides là ou tu m'aides pas? Peut-être pas. Ah oui d'accord, t'es pas du tout avec moi en fait. Mais si, je suis là. Ah merde, d'accord, c'était mon pouvoir ça. C'est les dieux jumeaux qui me poussent. Je suis foiré. Ma vie. Oh, il semblerait que les humains de Pandore soient encore plus sauvages que sa faune. Oh, un fusil à pompe. Génial. Un point pour les pillards écarlates. Claptrap et toi, sécurisez la zone. Je suis en route. Ah, attends, parce que par contre, du coup, moi j'ai vu que j'avais utilisé un pouvoir, mais comment on voit la barre de notre pouvoir Alors, c'est. Je sais plus. Par contre, Vivine, tout à l'heure, t'as mis ton pouvoir. Comment t'as fait pour faire afficher l'écran et tout ça pour mettre ton pouvoir? C'est le pavé? Le pavé tactile. Et après t'as bah tu vas dans compétences. Ok. Voilà, il faut faire descendre le robot là. Ah mais moi j'ai pas de point de compétence en fait. Okay. Ah bah c'est que t'es trop nul. Recru, dépêche-toi. Mais ta gueule toi. Insupportable. Bon, c'est où là ton truc? Ah, c'est là. Allez, descends. Alors, du coup, où est-ce qu'on va maintenant? Ah! Je suis obligé de le réanimer, il est tombé de trop. Quel menteur. On a pu prévenir les guides que la mission est accomplie. Il a envoyé un rayon dans le ciel. Ah. Wow. Eh, moi son cul. Ah non. Moi aussi je veux des ailes comme ça. Salut. Salut. Lilith. Crimson Riders. Élite, je suis en mesure de dire que Raiders. Claptrap de 3 est une réussite. Raiders. Et j'ai tout fait moi-même. J'en doute pas. Bon, puisque la secte a détruit beau, toutes là, les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, comment tu t'appelles? Et voilà. J'ai gagné. Pandore est une planète dangereuse. Tu auras bien besoin de ce mode de grenade. Tu devrais t'en équiper. Équiper un mode à grenade. Préviens-moi quand ce sera fait. Comment on fait? Un mode à grenade et donner. Mais oui, mais comment faire? Ils l'ont dit ça, le truc de grenade là? Non, mais bon. On va trouver. Mais la carte de l'arche. Inventaire, compétence.
ici. Putain, j'ai encore utilisé mon pouvoir. Mais je sais pas comment, j'ai fait. Je m'en équiperai peut-être plus tard. Bah avec avec elle. Ah, on peut maintenant jeter des grenades. Je sais pas ce que j'ai fait. Recrue, fais voir ce que t'as dans le ventre. Ah putain, il y en a plein. On a quand même besoin de quoi. Il est cool le pompe là. Trop facile. Le spectacle vous plaît? Ah ouais, c'est trop facile. C'est parti. Prendre du coup, dès que tu commences à recharger, il n'y a pas de... Arrête de recharger, ça marche plus. Ça. Enfin, ça marche pas. Faut essayer de fuir, ouais. Très bien, on a un point stratégique. Le vent va peut-être enfin tourner. Toi, recrue, viens avec moi. Ah. Bon, je t'explique. Il y a quelque temps, on a trouvé une carte. Elle indiquait une des archives dans la galaxie. Le rêve, pas vrai? Mais je me suis pas rendu compte que ça nous collait une cible énorme dans le dos. On s'est fait attaquer, la carte a disparu. Et depuis, je la cherche partout. Pas ici. J'étais tellement à fond dans mes recherches que j'ai pas vu Pandore changer. Alors que les clans de bandits s'étaient toujours massacrés pour le plaisir, cette fois, ils s'étaient tous assemblés sous une même bannière. Une secte. Ah, les descendants. J'ai ramassé un canon scié, j'ai ramassé... Exact. Allez, viens, on va jeter un œil. Ils ont à leur tête les jumeaux Calypso. Et leurs fidèles les vénèrent comme des dieux. Bouclier. Ils sont persuadés que la carte va les conduire à ce qu'ils appellent la Grande Arche. Et ils massacrent tous les gens qui tentent de s'opposer à eux. Ah, mais c'est des trucs à acheter. Un clan de bandits aurait trouvé un artefact alien dans le désert. C'est peut-être la carte. Et c'est ce qu'on est venu découvrir. C'est fermé. Mais c'est pas ça qui va arrêter une sirène. Elle va passer au travers. Pourquoi nous ça marche pas, nous? Oh putain, un maxi coffre, il est beau celui-là. Ouais, de la thune, 12 balles. Du coup, je suppose que l'argent ça te permet d'acheter les armes. Oui, entre autres. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a? 13 balles. Cheese, le clan des éclipseurs a récupéré la carte sacrée des armes. C'est pas beau lui. Envoie nos fidèles, les invités à rejoindre la sainte famille, et fais vite. Les dieux jumeaux sont affamés. La carte, je le savais. On doit trouver les éclipseurs avant eux. Je vais ouvrir la porte. Moi, je veux me battre. Bien, c'est par là. Étendu, aride. Mais c'est quoi du coup, c'est des... Enfin, dans les autres, c'était des zones ouvertes ou c'était vraiment des trucs où tu suis un couloir et tu vas de point en point? Franchement, je me fais un peu trop, mais ouais, c'était... Bah, là, je trouve que c'est un peu la même chose, quoi, tu vois, c'est semi-ouvert, quoi, un peu. Ok. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est vrai que c'est pas top, mais on n'a pas trop le choix pour l'instant. Oh merde. Et puis c'est pas la première fois que les pillards écarlates repartent de zéro. Mais c'est pas Sanctuary, pourvu qu'Ellie nous fasse vite décoller. Putain, mais là, on a quasiment 1000 balles là déjà. Ah, c'est sûrement rien à mon avis, mais... Ah, t'as le... T'as le rocher exactement comme dans le Roi Lion. C'est quoi ça? Mon distributeur est cassé? Oh, comment je vais faire pour être un profiteur de guerre? Non, pour
pour vendre des armes de qualité à des chasseurs de l'arche héroïque comme toi. On va réparer le plein de munitions. Enfin, je dis, c'est surtout toi. Identifier le problème. C'est de ça, faut peut-être suivre. Ah, mais ça c'est cassé ça. Toujours à piquer des trucs pour bricoler leur Buzz Axe et leur bicyclette en bidoche. Il va te falloir un truc pour remplacer ce circuit. Ok. Tu sais, il y a des skaks qui sont pleins d'électricité. Apporte-moi leur colonne. Tu vas devoir t'habituer à faire ce genre de trucs si tu veux survivre sur Pandore. Récupérer la colonne de Skag. Skag. Tu peux aussi m'apporter la colonne d'un de ces couillons de bandits. C'est quoi la colonne de Skag? Putain, par contre, sur la carte, c'est compliqué à suivre tout ce qu'il y a là. Ah, attends, la colonne de Skag. Ah, des chiottes. Faut aller vers là, c'est ça les colonnes de Skag? Oh, mais y'a des ennemis là! J'étais en train de regarder un petit peu les trucs à acheter, à revendre. Putain, y'a des Pokémon qui m'attaquent! Ça valait pas le coup. Au secours! Oh, je suis niveau 3, je suis tellement fort. Est-ce qu'il est parti là le dernier? Et il est là. Oh putain, non. Merde. Quoi? Ah putain, espèce d'enfoiré là. Dégagez. Je suis une vraie légende. Oh. Oh merde, j'avais pas rechargé. Il balance de la merde au sol lui. Casse-toi. Ah si, d'accord, on peut faire le double triangle. Comme à la bonne époque. D'accord. Mais c'est quoi le sky électrique là? Je comprends pas ce qu'il me veut. Ah, c'est ça là? Ah oui, d'accord. J'aurais besoin d'aide là peut-être. Je sais pas où t'es. J'arrive. Un adversaire digne de ça. Casse-toi toi. Au pied. Ouais, je lui ai cassé la gueule. Ah, c'est quoi qu'il faut que je prenne? Prendre. Ouais, des fois il y a des trucs que tu peux prendre et des fois il les prend tout seul et des fois t'es obligé d'appuyer sur sur carré. Ah bah voilà, t'arrives après la guerre toi. Je suis là. Ah, bravo. On a réussi. J'ai, bah, buté, bravo. J'ai buté plein de vilains. Alors du coup faut que je ramène ça ici. Je sais même pas ce que je fais hein, je sais même pas ce que c'est la quête que j'ai acceptée. Solide connexion. Okay. Installe la colonne. Après. Bien joué. Ah t'as tout fait, pas, ok. Tu peux maintenant accéder à toutes mes marchandises meurtrières par un moyen bien pratique. Ah, on a. Ok, donc j'ai réparé ça là. Article du jour. Ah, niveau 4 requis. Ah, ouais, mais j'ai pas de niveau 4, moi j'ai que le niveau 3. Je peux rien acheter. Ah, je peux peut-être vendre des trucs. Après, est-ce qu'il y a des trucs qui sont. Ah, oui, mais les armes de base, on s'en fout alors du coup maintenant. Vu que j'ai des armes mieux. Ouais, moi j'ai vendu des armes là. Ah, oui, d'accord. Et alors, c'est quoi ça? Je sais pas avant ce que c'est. Score d'objet, powerplay, essential powerplay, c'est quoi ça? C'est peut-être pour le.
Je sais pas, j'ai des trucs, je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'il faut revendre ou pas. Comment on fait pour aller dans l'inventaire? C'est okay. Avec un détective. Oui, ok, vas-y. Alors, ça. Ah, on peut le mettre sur des armes? Ah non. Qu'est-ce que c'est ça? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Ah, mais c'est des mitraillettes? Ah, c'est peut-être des mitraillettes en vrai. Alors, laquelle est mieux? 73 score d'objet. Ok. Donc le reste, je peux revendre alors. C'est ça qui me dit le monsieur. J'ai les munitions, Marcus. Oh, ok. Ah oui, mais. C'est un peu de la merde aussi en visant comme ça. On va viser. Juger. Oh, y a beaucoup de balles quoi. Oh bah, je préférais mon pompe. Hein. C'est mieux. On va en fion. Tue des skags. Genre, casse sa gueule. Par contre, je crois qu'il y a quelqu'un qui me suit là. Non? Quelqu'un, je sais pas, non? Ah ouais, ouais, si, y a 4 connards. Cassez-vous! Merde, je suis en 15 mètres à côté. Oh, t'as un gros! Espèce d'enfoiré! En fait, faut tout ramasser. Tu ramasses et tu revends. C'est ça. C'est de alors, trouver le chef des éclipseurs. Faut aller là-bas, du coup. J'en ai dit. J'aime bien prendre du temps pour fouiller un peu les coffres. Des fois, il y a des petites pépites. À la bonne heure. Ah! Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est pas grimper là. Ah. Si. Ok, y a rien du tout ici. Ah, j'ai trouvé le chef. À moi la garde. Il est où? Dans le tas. Dégage. Putain, ils sont nombreux. Attends, je vais essayer d'utiliser mon pouvoir là. Je sais plus c'était quelle touche. L1. Ah ouais, boum. T'as rien senti. Bon. Fouille. J'ai encore gagné un trophée, je sais pas ce que c'est. Ouais, en fait, faut pas que je vise. J'arrive beaucoup mieux sans viser. Dégage. Contre cette arme, je suis pas fan. C'est bien, t'as plein de balles, mais. Pas très très bon pour viser. Putain, mais tu mets un chargeur entier pour buter un mec. Ouais. C'est mes armes, sont pas. Moi, je veux pas cette arme. Après, le problème, c'est que j'ai bientôt plus rien. Ah merde! Oh la vache! Casse la gueule, hein! Mais non, mais. Ah non, j'ai cru que c'était une gentille. Pas du tout.
Attends, mais moi j'y arrivais. T'es où là? Je suis en train de me fighter contre des bébés skag et il y avait un boss skag un peu. Mais... Bah, c'est là où j'étais tout à l'heure. J'arrive! Y a des dégâts de chute? Je crois pas. Il est là le vilain! Je l'ai buté tout à l'heure lui. Oh, comment je vais casser la gueule. Et voilà. Ah, attends, parce que du coup, moi j'ai des pouvoirs à mettre là. Compétences. Bon, passer du didacticiel, je m'en fous. Ah, attends, du coup, qu'est-ce que c'est ça? Les tirs de l'arme, la santé maximale augmente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi la première là? Bon, en fait, je vais acheter les premiers. Ah non! Ah, tu peux pas acheter différents. C'est one way of life, quoi. D'accord, ok. Bah, je vais partir là-dessus. Hein. Je sais pas si c'est bien. Mais... Voilà. Par contre, moi, je vais aller m'acheter les armes. Il était où le bordel? C'est pas par là? Si, derrière. Ah, bonjour. Alors, du coup, moi je veux pas cette merde. Ça, c'est nul. Des flingues. Que demander de plus? Putain, mais en vrai, c'est bien ça. Ah, mais du coup, comme l'argent est séparé, c'est un peu nul, non? L'argent est séparé, t'es sûr? Non, pardon, l'argent est pas séparé. Non, bah c'est pas grave, hein, juste on se perd, c'est pas l'enculé, mais... Score. Si tu l'achètes pas, moi j'achète ça. C'est quoi ça? C'est un flingue? Ah non, c'est une mitraillette. Je vais revendre plein de choses du coup pour le coup. Alors attends, c'est quoi ça? C'est de la merde, hein, on est d'accord? Oui. Ça c'est bien. Et bah ça c'est à chier. Donc ça on peut vendre. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu sais. Camelot préféré. J'ai des trucs, je sais pas ce que c'est. Du coup, alors comment on équipe les armes? Comme ça. Hop. Par contre, c'est con que ça se fait pas automatiquement équiper les armes. Ouais. Ok. Alors attends, j'essaye de te retrouver. T'es où? T'es encore au magasin là? Non, je suis. Ah non, t'es là-bas. Bon, en fait. Bah, du coup, moi j'étais allé vers la droite là. Je sais pas si c'est là où t'es. Ouais, je suis allé vers la droite et là j'ai tué des espèces de statues violettes. Ah. C'est là que j'étais parti. Du coup, j'avais un peu avancé, j'avais cassé la gueule un peu à tout le monde. Et après, quand j'ai vu que t'étais derrière, je suis revenu. Effectivement, les coffres sont ouverts, il n'y a plus personne. Ah si. Ici, je vais t'arrêter là. Oh putain! C'est tout? Oui, d'accord. Essayez l'autre. Ah ouais, d'accord, une arme en rafale. Qui es-tu, petit homme? Putain, il avait une grenade dans les mains, je crois, ce con. Si, il me tire dessus. Merde. Ah, ok, les statues là, ça te donne de la santé et des objets. Dégage.
tire dessus de l'autre côté maintenant, je viens d'y aller. Ah. T'es où toi? Quoi? Je suis absent et du plus pour traîner. J'aurai ma place dans la grande arche. Le chaos. Un oiseau. C'est un dinosaure. Planquez-vous. Merde, je suis tombé. Se protège la famille. Ah putain, mais y'en a là. Bonjour messieurs. Putain, j'ai dégommé le gamin, je lui ai tiré dans la tête le pauvre. Pour la survie. Ah, t'es mort? Ouais, ouais. Comment je te réanime? Parce que tu viens de vers moi, je crois. J'arrive. Je suis mouru. Ah, bah, de toute façon, j'arrivais pas à trouver par où fallait y aller. J'arrivais plus à ressortir de là où j'étais. Est-ce que quelqu'un vient m'aider? Et je préfère autant pas mourir comme ça. Moi, je te ferai descendre. Si t'étais dans la merde. Putain, j'ai perdu. On a 160 balles du coup. T'as perdu combien? 162 dollars exactement. Ah ouais? Ouais, faut pas crever quoi. Qu'est-ce que tu me veux toi? Mais. Putain, la connasse, elle était dans mon dos. Putain, voilà, c'est là que t'es en fait. Chercher le point. Ils sont au-dessus. En fait, tu regagnes de la vie quand tu débutes, non? Alors, j'ai pas fait attention à ça, j'avoue. Je sais pas, j'ai cru voir des petits. Enfin, la petite lumière verte à chaque fois que je butais les gens. Alors, je sais pas, c'est peut-être mon perso. Ça sert à quoi de buter les statues? Bah, tout à l'heure, j'avais trouvé de la vie à l'intérieur, donc je suppose qu'il y a aussi d'autres trucs. Ok. Très bien. Ah, c'est Jésus. Ouais. La tête en bas. La tête à l'envers, j'allais dire, il y a un problème. Hey, en slip. Vous. Bandit life. Fais-moi descendre, ok? J'aime bien pendouiller, mais pas comme ça. Pas comme ça. Ouais, il est tombé sur le crâne et il est mort. J'ai le slip. Bien le bonjour. Ça va bien et toi? Ah, mes pieds, ça marche. Bien. Et content de te rencontrer. Ah, merci. Si t'avais pas débarqué, je serais sûrement mort. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu admirer les légendaires bandits en slip de Pandore, ça se voit. Les bandits en slip. Et je viens de rejoindre Lilith et les pillards écarlates. T'es avec le faucon ardent? Oh, il y a des armes en haut. Moi aussi, je prends tout. Avec Lilith à une époque. Mais aujourd'hui, je suis un chef de guerre. Je vais les revendre. Vive les éclipseurs. Enfin, j'étais un chef de guerre. Jusqu'à ce que mon clan tombe sur cette saloperie alien. Bon. Je leur avais dit de pas y toucher. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils m'ont attaché pour donner le bidule au Calypso. Pas cool. Calypso. Ta. Ta. Bon, on ferait peut-être mieux de filer avant que les DDA reviennent. Alors, dis-moi, où est-ce qu'ils crèchent l'élite et ses pillards? Je ne sais pas. Dans un ancien centre de propagande des DDA. Je leur ai tous collé une énorme rouste. Ah, je découvre ça le jeu tout court. Allez, enfin, ça me on plaît. Découvre le jeu tout court. Je vais court. Passer devant, même si je suis complètement sans défense. Ne jamais montrer que t'as la trouille et pas d'armes sur toi. Gangsta style. Alors non seulement t'as pas d'armes, mais en plus tu es juste en slip. Donc c'est à dire que y a aucune protection qui pourra t'aider si jamais on se fait tirer dessus. Mais il va par où en fait? Il avance pas?
dire comme ça, t'as réussi à prendre le centre de propagande des DDA ? Oh la vache, il cavale le con, ouais. Comme des bêtes. Ouais, il court. Des bêtes blessées et malades. Je suis impressionné. Oh merde ! Les descendants de l'arche ont complètement ruiné mon camp. C'est pas du tout là qu'on range les crânes sanglants. Ça nique tout mon feng shui. Oh, je connais un raccourci. Par là ! Comment ça, ah, par là ? On les connaît, les raccourcis. Ouais. Et donc ? Putain, il me fait repartir derrière ? Ah non, d'accord. Eh bah, ben, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. On va pouvoir retrouver le faucon ardent. Merci pour le follow. Pas tant que tous les bandits sur Pandore les adulteront pas comme des dieux. Mais les bandits, ça a pas besoin de dieux. On veut juste un bon feu et un messie bien cramé. Il y a des règles. J'ai entendu grogner. Là. Putain, mais il trace, hein, le fou. Il nous attend pas, quoi. Bon, après, il a raison, quoi, autant qu'il fuit. Bah non, parce que s'il se retrouve dans une embuscade, on pourra même pas l'aider. J'ai même pas vu où est-ce qu'il est parti. En haut, là. Il est monté, ouais. Ouais. Ah c'est bon. Ouais. Oh, ça va. Fortifié, bien aéré. Franchement, tu rajoutes 2-3 crânes ensanglantés et ça fait un petit logis tout à fait cosy. T'es pas d'accord ? Vaughn ? Non mais qu'est-ce que tu fous là ? Hé hé ! Salut Lilith ! Ici l'ex-chef de guerre des éclipseurs au rapport. Vive les pillards écarlates ! Je suis content de te voir, Vaughn. Les pillards ont besoin de toute l'aide possible. Alors, chasseur de l'arche, t'as trouvé la carte ? Oh merde, je suis tombé. Est-ce que t'as trouvé la carte ? Non, je vendais des trucs. Il y avait pas de carte. Ah. J'ai pris ce bandit pour compenser. Je suis en train de regarder mes la armes carte. De très loin. Si tu parles de la saloperie alien, mon clan est en train de l'apporter en offrande aux jumeaux Calypso. Ils sont en route pour le Saint Centre de diffusion. C'est là que les Calypso organisent des sermons meurtriers pour grossir le nombre des fidèles. On peut pas laisser les Calypso mettre la main sur la carte. Mais le Saint Centre de diffusion est pas tout à fait. Ah non, d'accord, c'est ça qui me fait une espèce. Ça me fait quoi comme une espèce de bouclier en fait ? On s'occupe des autologues. Va te présenter. Elle te filera une bagnole. Ah oui, capacité de bouclier de l'arme. Quand il absorbe des dégâts, votre bouclier frontal remplit votre chargeur. Ah, c'est cool ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Allez voir Ellie. C'est qui Ellie ? Qu'est-ce que c'est ça ? Moi, je veux pas changer mon skin, moi je suis très bien comme ça. C'est un bouclier en plus du tien. Ouais, c'est cool. Très cool ça. Je ne sais pas où est Ellie. Ça doit être le point qu'il y a là-bas. Par là-bas, ouais, je suppose. Eh bien, allons-y. Eh ben, moi j'y vais alors. Ah, c'est le garage d'Ellie. C'est très bien que je la cherche partout cette carte. Pourquoi tu me l'as pas apporté ? Après Last of Us, elle s'est reconvertie dans l'automobile. Je comprends ta colère, et je la partage, mais je vais t'expliquer. J'ai laissé la carte tomber entre les mains de cinglés fanatiques et maintenant toute la galaxie est en danger. Je sais pas. Oui, c'est bien ça le problème. Ok, donc on est d'accord. Tu sais ce qu'il me reste à faire ? Des pompes d'exclus. Alors, rappelle-moi. Qu'est-ce que t'as dit que tu voulais faire à mon ami Lilith ? Naruto. Oh ! Oups, pardon, mon doigt a glissé. Ah tiens, ça a explosé. Ça fait longtemps que t'es là. Elle a bien changé, Ellie. C'est vrai. Elle est... C'est un carré. J'avais cru comprendre que vous étiez dans le coin. C'est bien ça. Lilith a trouvé du sang neuf. Moi, c'est Ellie. Ben quoi ? Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Elle a pas de jambes, quoi. T'as l'air difficile à renverser. J'aurais bien aimé m'entraîner avec toi. Oh, tu vas me faire rougir. Lilith m'a dit que t'avais besoin d'un véhicule.
Ces guignols de la sec m'ont tout piqué. Bouboule sur pattes. C'est vrai que c'est bouboule sur pattes. Allez, tourne, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Je vais mettre que. Du coup, j'ai pas. Ah, prendre un véhicule. Là-bas. Ellie Scrap. La mère de Daddy. Ouais, j'ai avec le faucon, Armand. Ah, oh, mais il y a des connards là. Dégage. Si ça te dit, tu peux détourner un véhicule, c'est pas bien compliqué. T'arrives en courant et tu dis poliment au pilote de dégager. T'es muerte, c'est bon. Je sais pas si c'est du tir allié. Oh non. T'es mort? Non. Ouais. Mais... C'est bon, c'est suivant. Hein. Comment t'as fait pour te... En gros, t'es en barreau d'honneur. Ah, en barreau d'honneur. Et si t'en tues un, tu veux. Aucun tir allié, ça marche. Ah, et les voitures. Comment on fait pour grimper dans les voitures? Je sais pas s'il faut casser le voiture. Le... Ah, ça va exploser! Moi j'ai envie de les faire exploser, moi. J'ai pas envie de voler les véhicules. Bon bah finalement. Ah ouais! Mais c'est mille fois plus efficace comme ça! Qu'est-ce qui me tire dessus là? Oh! Bah, je vais rentrer dedans. Conduire le véhicule jusqu'à l'autolock. C'est toi qui es dans la bagnole là? Ouais. T'arrivais pas à avancer? On va bien galérer. Attends, on va se mettre à deux dans un seul, ça sera mieux, je pense. Casse-toi, enculé! S'il veut bien sortir, mon gars. Et je rêve pas à sortir, putain, à chaque fois il change de position. Bah, peut-être que il faut que tu l'emmènes aussi, non? Faut faire rond. Rond? Oui. Oh, ça y est. J'ai réussi. Ah, mais du coup, oui, tu voulais que je t'attende. Bah, ouais, c'est mieux comme ça. Genre, tu conduis, je tire. Même si on peut conduire et tirer. Ah, je peux pas, grand-père. Ah, bah voilà, tu peux pas. Ah la vache! Y'a un autre connard! Je l'ai presque buté, y'a plus rien. Mais il est parti se foutre dans le vide. Très bien. Allez, je sais pas par où on passe moi par contre. Parce que j'arrivais pas à passer de l'autre côté, mais c'est pas par là du coup. Ah putain, il est revenu ce con. Dégage. Comment on s'en va du... Ah mais faut... Oh putain, mais il ressort d'ici en fait. Voilà, dégage. C'est bon. On peut pas passer par là? Passer sur le côté là? Ah oui, ah, faut passer par là. Merde. C'est un peu galère à conduire. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, c'est pas spécialement conduire, mais c'est tourner. Ouais, tourner, faut tourner la caméra en fait. Faut que tu bouges ta caméra. Oh le pauvre. Parfait. Maintenant inscris-toi sur l'autolog pour pouvoir te
de numéraliser une caisse à tout moment, au cas où Pandore te ferait son coup classique en explosant ta bagnole. Putain, je crois qu'il y a un mec qui... J'ai un lance-roquette sur lequel je bosse. Il est à toi, Makai. Pense juste bien à l'équiper. Merde. Allez, casse-toi. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je numérise un machin, je sais pas quoi. Déployez votre véhicule. Ah bonne heure. Putain, je suis bête. Là, je suis là où il y a le robot, mais... Là où il y a le robot. Récupérer les pièces. Claptrap décédé. J'étais là où il y a l'icône Claptrap. Je sais pas si tu vois, il était vert, maintenant il est gay. Et voilà, je sais pas, j'ai récupéré ses pièces. Il est mort ? Ouais, il était pendu là. Il était pendu. Pendu par les pieds, hein, par la roue. Ah, chance. Par contre, je sais pas où tu es allé. Bah, je suis allé là où il y avait l'objectif. Je t'attends. T'es en voiture, là ? Bah non, il fallait la ramener ici, la voiture. Je l'ai ramenée. Ah, ok.